Dans cette deuxième partie, nous allons vérifier donc maintenant la possibilité d'exporter un avatar dans le moteur UDK, mais cette fois-ci un personnage. Alors là, on a bien sûr un tutoriel en anglais qui est disponible à cet endroit, si vous cliquez ici, donc sur YouTube. Mais euh, moi j'ai fait une version française avec des petites corrections propres au moteur de UDK. On commence par ouvrir iClone e 5 Pro. Ensuite on va dans l'onglet Actor. Et là je choisis euh, le répertoire Clone Bone. et je choisis ce type d'avatar. On clique sur l'onglet Avatar Proportion. Et dans cette fenêtre, vous avez la possibilité d'avoir des presets. Donc vous voyez. Alors je choisis pour commencer normal. Ensuite, je vais dans la partie body. Là, j'ai la possibilité d'agir donc sur la largeur, la hauteur et la profondeur. Alors, première chose, je vais bloquer les trois axes. Et ensuite je mets tout à 50. Une fois que le personnage est correctement dimensionné, je peux cliquer sur ce bouton. Et ensuite, je vais rajouter donc une animation. Alors je vais faire Import. Je choisis Rock'n'Roll, Ouvrir, je peux faire un test. Ensuite, je fais Add to Perform. L'animation se retrouve donc dans l'éditeur. Je peux donc maintenant faire un export en direction du moteur de Unreal. Attention que Include Géométrie est bien coché que Include Animation est coché. Et ensuite, je vais choisir un répertoire pour exporter au format FBX. Je choisis donc le répertoire Avatar trait UDX alors ici euh, je n'oublie pas aussi de donner un nom à mon personnage je vais appeler ça mi avatar et ensuite je peux faire ok j'ouvre la version de l'éditeur du mois de mai 2012 pour ne pas avoir de problème de conversion des formats fbx Ensuite dans le browser je peux cliquer ici sur le bouton import et je vais chercher donc ici dans documents euh, avatar udk mi avatar rock'n'roll ouvrir alors là je fais attention euh, de bien là je vais supprimer parce qu'il ne faut pas laisser des espaces donc je vais supprimer euh, cette partie du texte ensuite je vais faire importer l'animation et importer les matériaux et textures alors là je choisis un paquet où je veux mettre donc euh, mon personnage alors je vais appeler ça avatar et je fais ok all alors ici je peux passer par-dessus euh, les smoothing group Je constate donc que dans mon paquet avatar, j'ai euh, donc les textures, ensuite j'ai le Skeletal Mesh, et ici aussi Set. Alors je vais changer le nom et je vais lui donner un nom différent. Par exemple, le nom de Mi Avatar Rock. OK. Ensuite, je peux ouvrir donc set en cliquant deux fois sur cette icône. Dans l'éditeur de anim set, je retrouve donc sous Mesh le nom Mi Avatar Rock. Ensuite, sous anime, j'ai ici la première séquence d'animation Rock and Roll. Donc je peux faire un test. l'animation a l'air d'être correcte alors ici vous avez dans la partie mesh dans les propriétés ici les matériaux qui sont utilisés à l'heure actuelle sur ce personnage alors si je clique sur cette loupe ici vous voyez par exemple ce type de matière qui est utilisé ici là c'est l'iris du personnage je vais dans l'onglet animset Et là, j'enlève la rotation. Je peux maintenant effectuer une compression automatique. Appliquer tout séquence. On obtient une fenêtre ici de la compression. Je retourne dans le browser. Je fais « Skeletal Mesh » et j'effectue un drag-and-drop du personnage. Je vais ensuite chercher un personnage dans le moteur UDK. Je vais choisir donc ce personnage-là que je vais mettre à côté, ce qui me permet de comparer les hauteurs des deux personnages. Nous sommes donc bien dans les proportions du moteur de UDK, qui en général la hauteur d'un personnage est de 92 unités Unreal. Et là, pour finir, j'ai effectué une petite séquence d'animation.